7. Elles sont 7 aujourd'hui, appareils photo collés au visage, arpentant les rues de leur quartier à la recherche de la photo qui fera mouche. Aujourd'hui, le thème de la leçon, c'est la photographie de rue. Serbest, leur professeur, est là pour les conseiller. Depuis 2017, c'est à Mardin, une ville du sud-est de la Turquie et à seulement quelques kilomètres de la Syrie, que l'école de photographie a ouvert. Serbest, jeune photographe réfugié syrien, enseigne à de très jeunes élèves l'art de la photographie. Elles ont entre 7 et 12 ans, elles viennent d'Irak, de Syrie ou des régions kurdes de Turquie et vivent dans un quartier laissé à l'abandon. Elles ne vont pas toutes à l'école, alors ce cours de photo pendant le week-end, c'est un moment privilégié. Le résultat est étonnant. Pas de tristesse, mais au contraire, des sourires, des jeux, des scènes de la vie quotidienne capturées dans un noir et blanc joyeux. Sans en prendre conscience, ces jeunes photographes entrouvrent une porte sur une enfance très souvent cachée, une vie de presque rien, mais pleine de malice et de tendresse.